Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 14 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Aujourd'hui, j'ai pigé la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Quel beau programme, n'est-ce pas? Cette tendresse, cette douceur qu'on recherche toutes et tous, n'est-ce pas? Cette carte se révèle à vous pour vous communiquer un message. Et c'est un message de votre âme. Pour vous chuchoter à l'oreille, que vous êtes prêt, prête, pour vous donner ce que vous avez peut-être manqué en tant qu'enfant et que vous niez en tant qu'adulte, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la tendresse. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, manqué de tendresse, manqué de douceur, manqué de délicatesse en étant enfant. Dont vous aviez besoin, n'est-ce pas? Et dont vous méritiez. Souvent, nous avons tendance, à relayer le comportement que nos parents ont eu avec nous, entre eux, avec eux-mêmes, à le reproduire inconsciemment et à nous traiter de la manière dont nous l'avons été ou dont nous avons été témoins. Vous avez possiblement eu envers vous-même des exigences, des duretés, des intransigences qui vous ont mené à la souffrance de l'auto-jugement et par conséquent de l'auto-punition, voire de l'auto-flagellation. En tant qu'enfant, vous ne méritez pas un tel traitement et c'est la même chose en tant qu'adulte, n'est-ce pas? Exactement la même chose. Les douces mélodies des énergies de tendresse et de délicatesse, arrivent à vous. Ils arrivent à vous pour vous entourer dans un cocon molletonné et lumineux, où vous pouvez vous détendre et rétablir une relation respectueuse et belle envers vous. C'est ce quoi vous avez droit. C'est ce que vous méritez. On a tous droit et on a tous et toutes mérité d'être dans la tendresse, dans la douceur, dans la délicatesse. Dans quel comportement répétez-vous ce que l'on a fait avec vous? Posez-vous cette question. Comment vos parents ont été avec vous? Comment votre maman s'est comportée? Comment votre papa s'est comporté envers vous? À quelle personne permettez-vous de vous traiter comme vous l'avez été? Comment pouvez-vous mettre davantage dans votre vie les énergies de tendresse, de douceur, de délicatesse envers vous-même? Posez-vous toutes ces questions. Vous savez, cela ne demande pas une énorme énergie. Ces petits gestes au quotidien peuvent et sont nécessaires. Ils sont nécessaires quotidiennement, on a besoin de tendresse, on a besoin de douceur et en plus de la délicatesse. Par exemple, au lieu d'une sonnerie stridente, vous pouvez mettre le chant des oiseaux, pourquoi pas, dans votre téléphone pour un réveil plus doux le matin. Vous donnez des messages
mettre quelques gouttes d'huile essentielle de rose ou de lavande dans vos vêtements, dans votre lit, et vous adresser des mots d'amour. Bien sûr, vous adresser des mots d'amour. C'est important de vous aimer. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite, n'est-ce pas ? Bien sûr, je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. En voilà un beau message, n'est-ce pas ? On termine avec l'effet que la magie opère, n'est-ce pas ? La biche blanche, j'ai pigé aujourd'hui, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.